Je lui donne les résultats de mes travaux en live avec vous. On va peut-être même le faire ensemble avec vous. On va avoir un trou noir ensemble. Je sais pas, peut-être que c'est peut-être possible. Voilà. Mais j'avoue que je ne peux absolument plus travailler dans ces conditions. Et je vous jure que je fais un travail de merde de tous les côtés. Et ça me rend malade. Mais je vis vraiment avec des sales nazis, hein, qui certainement sont en train de boire des verres. J'ai envie d'en mourir. Néanmoins, ça a l'air de... Peut-être va peut-être avoir... En tout cas, ça a l'air de bien aller au début. Alors, je vais essayer de vous expliquer où on en est. Je suis en plein test. Mais je peux vous dire qu'il y a déjà une merde qui nous vient de l'IA. Et ces IA, j'ai compris qu'il fallait absolument pas leur faire confiance. En fait, tu peux travailler avec si tu connais déjà à peu près le résultat, ou ce que tu fais, ou si ça, sinon c'est normal. Et là, je pense qu'on va faire ça. Donc j'ai expliqué, l'IA m'a dit qu'avec un meilleur facteur Q, la même inductance, la même expérience, je devrais avoir une plus grande tension. Mon expérience n'a pas prouvé que non. Pas du tout. Par contre, j'ai expliqué que ce facteur Q, il aura une influence sur la résonance. Là, j'ai dû brancher, vu que j'ai pas réussi, vu la supercherie. Ça colle encore un peu, parce que je lui dis, je suis en début de test et j'ai fait vraiment du travail de merde. Il y a tout qui est branché, c'est même branché un four à raclette, vous voyez, pour évacuer le gain au cas où. Il n'y a que la petite bobine pour l'instant. Capacité, là, tac, tac. Radioactive, ouais, on peut pas tout voir. Les capacités, plus on les voit pas. Pourquoi j'arrive pas? Non, mais si on les voit. Je vais suivre le truc. Alors, le truc, si vous voulez, c'est que j'ai pas réussi à tout bobiner, mais j'ai fait vite fait, malade, à mettre tout ce que je veux. J'aurais dû faire un peu autrement. Résultat, j'ai une inductance 4 fois plus petite que ce que j'avais prévu avec 2 fois moins de câble. Ce qui est à peu près juste. Le seul problème, c'est que pour avoir les mêmes choses, je devrais avoir une résonance plus grande, plus de capacité. Comme tout est fait comme de la merde, c'est pas grave, ça sert à faire les tests. Et comme ça tente à montrer qu'il y a déjà une première merde avec ce que nous a dit l'IA, ça tente à montrer qu'on va refaire. De toute façon, moi, je vais refaire mon travail mieux, donc quand je suis parti, et que je suis plus le tyrannique nazi d'assassin qui aurait déjà ça, et là, je referai ça. Néanmoins, il y a un truc bizarre, c'est que je vous explique, je ne dis même pas à la résonance, je ne comprends pas. Donc, on va voir ça ensemble. Oui, il faut comprendre que cette résonance met les tensions en phase, etc., etc. Mais là, ce que je capte pas, donc le premier test que j'ai fait, c'est que j'ai fait fonctionner ma bobine à vide, sans les condensateurs, et j'arrivais par rapport à la fréquence, donc je suis environ 400 Hz, environ 2 fois moins de tension que ce que j'avais avant. Donc, j'arrivais environ à 10 volts. Et, ces 10 volts, si vous voulez, et en plus, là, j'ai un couplage qui est peut-être un peu moins bon, c'est moins proche, si vous voulez, c'est un peu... voilà. Et avant, j'étais entre 24 volts, peut-être à 24 volts un peu plus haut, mais j'avais un facteur Q de merde. Or, selon l'IA, là, je dois avoir un facteur Q à 10, je devrais avoir beaucoup plus. Il y a de l'époque, donc c'est directement lié à la merde. Néanmoins, c'est une couille. Parce que là, je branche mes condensateurs. Avec le grippin, donc là, tiens, on va commencer le test avec ça. J'ai déjà le double de tension à 300. Or, t'es pas, on va essayer peut-être ensemble avec vous, tu peux un peu tenir, mais vu que t'étais pas atteint la fréquence de résonance. Déjà, ta montre, ta marche, fait qu'il y a un truc. Et peut-être déjà ce truc qui marche, un petit peu. Ah merde, j'ai tout touché en vous montrant, j'ai décalé ta merde. Ah ouais, t'as fait des petites petites. C'est pas très grave, hop. Puis je vous ferai un super Tesseract quand j'aurai des pénalités. Ouais, mais c'est bizarre, hein, parce que là, regardez, je suis en 200 Hz. Oh non, c'est pas. Bon, là, j'ai le grippin qui est branché, hein. Bon, mais à 300 Hz, j'ai déjà cette tension. Attendez, je vais changer l'étage des voltmètres de mon audio, peut-être pas complètement. Par contre, là, il fait un petit. Moi, j'aurais pas du tout tiré, je vais.
Peut-être au niveau des caves, il y a une petite merde par les pièces, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, tiens, j'ai des vols ici. Putain, des vols ici. On va mettre. Alors, je vous dis qu'il y a une couille, enfin, que c'est bizarre. Donc là, à. J'ai le grippin, un hein, grand chien, tout ce qui consomme. À 250 Hz, j'ai déjà mis 10 volts. Avant, à 400 Hz, à vide. Là, j'ai une fréquence de résonance à 450. C'est le chip, il y a tout qui me pète à la gueule en live avec vous. Ça allume même le petit voltmètre qui consomme. Je t'ai dit, hein, t'as bien. Mais il faudrait que je change encore les volts, avec 10 volts. C'est putain, t'as fait tout le temps de. C'est lié à ce facteur Q, mais Satan t'a dit qu'il faudrait que je sois toujours dans ma même logique de facteur Q, mais avec plus d'inductance par rapport à ce que je voulais vous dire. Mais là, je comprends pas pourquoi j'ai déjà le double de tension hors réseau. Et avec les consommateurs. Bon, j'ai pas 3 000. Et voilà. Et là, comme elle est configurée, avec le travail que j'essaie de faire avec Assassin's Creed, en vrai, si tout marcherait, j'aurais le. Et en plus, j'ai dû crailler pour arriver aux 240. C'est un peu chaud. Et le thermique, il est un peu. Il faudrait 2 fois moins au niveau du régime moteur. Enfin, au niveau de l'énergie, pas forcément de l'énergie, mais pour vous. Mais là, j'attends déjà à dire qu'il y a un truc un peu charbi, quoi. Ça va nous péter à la gueule, hein. Ouh, je suis à beaucoup! À moins de 3, mais c'est ouf! C'est pas normal, je comprends pas. J'ai déjà mes 20 volts d'amplitude à 320 Hz. Tu as plus qu'avant. Mais avec les consommateurs. Il y a même le voltmètre italien. Moi, je suis à 600 Hz. J'ai peur d'atteindre la fréquence de résonance, moi, je veux dire. J'ai peur qu'il y ait un truc ça. T'en as 30 volts. Écoutez, je l'ai un peu ralenti. Ben écoutez, on arrive déjà à plus de volts qu'avant. Là, j'ai des consommateurs. Je sais pas, on va analyser tout ça. Le problème, c'est que là, ça tient vraiment freestyle. Je vous explique, j'ai peur d'aller dans les régimes. Mais là, j'ai vraiment en tête un bon Tessera, comment le faire. Mais il faudrait que je règle justement pour cette histoire d'inductance et voir ça. Mais là, on va déjà essayer d'atteindre cette fréquence de résonance. Avec les consommateurs, après sans les consommateurs, mais là c'est chelou quoi. J'ai peur. T'as ma petite Il est où mon petit truc de radioactivité? Pourquoi t'as fait plus de temps? Vérifier un truc, j'ai le bouton. Si je mets en rouge, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a la tension qui chute. C'est intéressant. Attendez, je vais juste voir un truc. Si je monte à 400 Hz et je le mets en rouge. Ouais, mais ça doit être dû au facteur Q et l'énergie qui est rendue, hein. C'est pour ça que j'ai plus de tension. Là, je suis pas dans la résonance. Moi, j'ai tout. Oh, ma mère, hein, il y a un problème. Là, je suis à fond, je suis à 360 Hz et ça diminue. Attendez, je vais juste mettre ça voir. 28 volts, 18. Oh, en courju, 28, 18. Okay. Donc, je vous explique ce qu'il y a là. C'est que j'ai plus de batterie dans mon brushless, dans mon truc. Je l'ai mis, mais c'est tellement micmac avec tous les trucs qui vont pas ensemble. C'est un accu d'un vieil hélicoptère qui va avec un vieux chargeur, qui est branché avec mon alimentation pour mon nani cubique, wesh. Je laissais tomber, les gars, ok? Je fais un assassinat nazi, j'étais tout sortir le tinkrat avec tout. Mais voilà. Mais là, oh, ben, il va falloir un smithy prête peur d'atteindre la fréquence. Enfin, moitié, moitié, moitié. Satan t'a dit, si vous voulez, que j'ai un couplage qui
correspond à cette tension, pour moi. Ce qui veut dire que, à cause de cette IA de merde, je peux déjà donner le couplage. Donc, je devrais pouvoir réfléchir au couplage que j'ai sur le fond. Et bah, ça tente à dire que je vais en foutre dans la merde à cause de ce qu'a dit lui, hein. Mais sur le fond, je suis sur le cul. Donc, ça tente à dire que j'ai le couplage qui correspond à cette tension de base pour moi. Ah, mais avec la résonance, j'ai un meilleur couplage. Peut-être aussi un lien. En tout cas, ça a l'air d'être pas mal sur le début. Ce que je veux dire, c'est que là, par rapport à la tension. Ouais, mais au fait, on pourrait être dedans. C'est ce que je vous expliquais. Parce que c'est... Ouais, non, ouais. Faudrait que je calcule, parce qu'en vrai, si je prends la tension générée qui correspond au couplage, et après la tension que je dois atteindre qui correspond à ma tension du cycle, même si j'aurai 4 bobines, là, on ne pourra pas, etc., etc., je pense que j'arriverai juste pas à ce que... Moi, je me comprends. Ça tente à dire que j'ai besoin de plus d'inductance, sur le fond, et que c'est déconné, et que j'aurai ma tension par cycle générée, et qui correspond du coup à ce couplage, etc. Après, je vous explique qu'il y a une histoire, un peu une variable bizarre, qui se couplage, il a raison. Mais là, ça tente à dire qu'on a déjà un truc de ouf. Hein. Parce qu'avec les consommateurs, donc j'ai un grille-pain, 350 watts, enfin, un raclette, et puis mon petit tuteur, environ 400 watts dans les consommateurs, et puis j'ai déjà une tension qui fait un big up comme ça, quoi. Je vous dis la vérité, ça me met un peu sur le cul. Mais ça, c'est juste une histoire facteur. J'explique, là. On n'a pas atteint la résonance. Mais ça tente à dire que cette histoire de facteur Q, en lien avec l'énergie qu'a dans mes capacités qui redonne, mais ça tente à dire que je vais me faire baiser par mon IA, et que du coup, imaginons qu'à la place de 24 volts, j'ai que 10 volts, et que je dois en atteindre 100, et que j'ai un facteur Q à 10, mais limite. Voilà, on est juste limite dedans. Ben, je vous l'avais expliqué. Et ben, ça tente à dire que ça sent très, 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 très bon. Pour la suite, c'est plus juste pour faire des bons travaux. Et c'est vraiment Wally Game qui a pour tester. Et c'est fou parce que je me méfiais un peu de ça et je suis content d'avoir pu faire ce test. Donc, on va peut-être réintégrer ça et voir ça. Mais là, ça tente à dire qu'on serait à la limite. En vrai, je parlais plus haut, mais je serais compliqué, j'ai peur de te péter. Et avec un meilleur facteur Q et tout, enfin, je sais pas. Ah oui. Et bon, ça s'ouvre pas trop, ça va. C'est bizarre, ça s'ouvre aussi. On va analyser tout à parce que je vous dis que c'est pas si mal. Hormis, c'est que merde de DIPA, mais ça tend à dire que mon facteur Q est bon et donc redonne. Mais voilà. C'est possible, j'arrive. Hein. Mais si j'arrive, on serait un peu dans la limite. À cause de ce que je vous explique. Donc j'ai besoin de plus de valeur inductive. Ce facteur Q ne change rien. Ça, c'est pas vrai. Ça change qu'au cas de tes capacités. T'as le prix qui vient de dire, ben, mais je me rends compte, hein, pour te garder un peu des politiques colonies. C'est pas, c'est, mais vrai, c'est à l'autre. Ben, tu es assez content. Bon, ben, je vais charger mon accu. Allez, rien n'est là, quand même. Le problème, c'est que je voulais faire la deuxième copie. Mais je sais même pas si je fais, c'était mon freestyle de machine, d'arrivée. Je sais pas, je vais réimprimer une bobine, je vais rentrer avec du bon matos dedans. Et je ferai quand je pourrais tout bien faire, etc. Les nazis qui m'assassinent pas. Mais là, c'est fou, parce que ça tente à... on est déjà à plus de tension avec les consommateurs, alors que j'en avais moins à la base. Sur... Donc, tout a l'air d'être bon. Hormis cette connerie que m'a dit l'IA, et du coup, je dois augmenter ma valeur d'inductive d'environ 10 fois. Et en vrai, je pense que je devrais être dans les 10 millions RIA. Un peu moins. Il faudrait voir si je peux vraiment l'IA... via ça. Ou alors, au moins, au 2, 3, 4, et avoir un bon facteur comme là, et on devrait aussi être dedans. Via plusieurs types, si vous voulez, un couplage, ce n'est pas, enfin, voilà, je me comprends. Mais ça tente à dire que déjà là, c'est pas si mal, ça l'est tellement qu'il n'y peut. Je vous dis la vérité, je ne comprends pas. Ben oui, je comprends. Ça tente à dire que t'as marre. C'est fait que le raisonnement jusqu'à là a été juste.
Après, du départ, enfin, le facteur Q par rapport à ce qu'il redonne et ce qui est logique. Mais il faut comprendre que ça redonne dans la bobine, ça redonne dans l'aimant. Hein. Et en fonction, voilà. Mais après, c'est en fonction de qu'est-ce qu'il donne par rapport à l'inertie de fait, c'est un peu plus complexe que ça. Mais ça tente à dire que on est sur le bon chemin. Mais là, je vous explique avec l'assassinat que je fais vraiment tard, mais je peux pas, je suis en l'air tout mon travail, je vais simplement crever dans 2 semaines. Donc, on finit ce petit test-là. On commence à tout emballer. Et on dégage de ce sale pays, de putain de nazisme. Mais là, c'est fou. Si je suis mort, ou qu'il y a eu un problème, quelqu'un a atteint la porte, mais je vous explique que là, au niveau du couplage, si je suis à 10 volts, et en vrai, c'est avec 4 bobines, je devrais atteindre les 140 volts, je crois, dans le cycle. Je pense qu'on sera pas mieux. Je le dis d'avance. Mais ça, c'est de la faute à l'île. Je suis désolé, je ne sais pas. Je vais me méfier. Mais, ça tente à dire que c'est super bon, quoi. Ben, je pense que... Oh, hein, je pourrais être surpris, je suis pas dans la résonance. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'on arrive à cette tension qu'on met, mais ça me tente. Ah oui, alors il y a peut-être un truc un peu bizarre avec le lien entre le couplage et la résonance. Et c'est possible que le couplage augmente. Et du coup, vu que là, on serait peut-être un peu con que ça passe. Mais. Je vais finir les tests. Suivi vont réfléchir. Et puis voilà. Mais là, je pense pas que ça marchera à cause que je vous explique, parce que je pense direct que je vous explique. Mon test à vide aurait dû me faire, ben, si tu suis son raisonnement logique que l'IA m'avait dit, c'est 2 fois moins ça, mais 5 fois plus, je devrais presque être à 100 volts à vide. Je suis à 10. Merci, l'IA. Merci. Mais ça tente à dire que sur le fond, le reste est pas mal. Et comme de toute façon, tout était fait d'une manière pourrie, c'est pas très grave. Bouh! Et j'ai peur d'aller charger la queue. J'ai un peu les boules. Attendez, on va essayer. Ouais, mais on va pas. Hop, le problème, c'est que de toute façon, je suis pas dans la résonance. Alors, là, il est éteint. Là, j'ai enlevé les consommateurs. Donc, le petit truc de tension. Il y a 20 volts à 330 Hz. Mais bon, là, je vais pas faire le compte parce que si j'atteins la résonance, on est dans la merde, on ne peut pas. 25 volts, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que c'est un bruit là? Je crois que c'est le nom de Richless. Bah ouais, bah on est au double de tension, mais à 100 Hz de moins. Mais le problème, c'est que là, j'ai plus de. Je vais charger la queue. Donc, je vais charger la queue. C'est ouf! Et moi je déménage, je là. Mais ça serait fait. Là. À un moment, ils vous foutent en l'air tout le temps. Et tout! Et là, ça tente à dire là, que c'est. Je suis plutôt dans le jus. Je suis tellement dans le jus que j'ai même peur d'atteindre la fréquence en question. Moi, j'ai la TVS, hein, mais. Alors qu'en plus, il y a un bal. Et je vous promets que ça tente à dire que si j'ai pas le pad, et si j'ai mis 100 volts générés avec second facteur Q, eh ben, j'ai déjà la tension du cycle, là, sans même avoir atteint la résonance. Non, c'est possible que ça meure. Mais là, c'est, je vous explique, il faudrait atteindre ce point, et retirer le truc qui, ha. Sans l'assassinat nazi qui suivrait, on aurait le truc, je pense. Je vous explique, mais vraiment. Donc je vais vraiment partir parce que je veux vraiment plus vivre ici. J'ai un peu d'argent de côté pour déménager 600, on a prévu. L'assassinat, c'était à la base. Pour payer nos amendes en cas d'urgence, si on portait le mobilier, il y en a beaucoup, mais on a que des nazis qui ne nous entendent pas. Donc on va déménager en Belgique et on va pouvoir faire ce travail. Si on n'a pas déjà un truc qui marche là, moi, je comprends pas qu'il y ait autant de tension. À par rapport à ce que je vous explique. Ouais. Et après, je pourrais toujours essayer des noyaux. J'ai vu des trucs pas mal. Mais déjà là, on est bien. Ouais, déjà, ça va.
Là, je lui dis, ah, mais c'est des petites variantes, quoi. Je vais charger cette merde d'accu. Et puis, 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 puis. Puis on va regarder. Mais c'est bizarre, ça. Mais là, ça me fait peur. Ça tente à dire que si j'aurais mis 100 volts, mais j'aurais déjà tout fait péter. Non, mais non, j'aurais pas atteint la fréquence de résonance. Mais, ah ouais, ben merde, quoi. Peut-être ça marche, mais le problème, c'est que je vous explique, c'est que moi, il y a la théorie, le problème, c'est que si ça marche, j'ai un Tesseract, hein. Et par exemple, là, j'ai pas les 3000 watts, tu vois, donc ça tente à dire que t'as besoin de péter à la gueule, hein. Je t'explique, hein. T'es pas, Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le couplage, donc ça va pas péter. C'est pas pour rien que j'ai branché comme ça. J'ai vu que ça faisait un vide et peu de tension. Mais je suis sur le cul de gérer la tension que ça génère et que le grill en plus branché. Donc je comprends pas. Et j'ai pas atteint la fréquence de résonance. Ce que je vous dis, ça tente à dire si j'aurais les 100 volts générés par cycle, je serais déjà au 300-400. Sans la résonance. Mais c'est possible, hein, vu que je mêle le truc, c'est comme je vous explique. Mais ça tente à dire que ben t'as quand même pété à la gueule. Si je vous explique, quand la théorie est faite et après voilà, t'es un peu dangereux, quoi, quand même. Moi je préférerais travailler dans des meilleures conditions. J'ai même plus de clopes, nous les ramasser par terre ici parce qu'on ne peut pas acheter assez avant, vous voyez. Hein, à 20 € le paquet de tabac, t'en achètes pas 3, hein. Avoir à vous. Ça donne pas mal cette expérience. Ça donne déjà pas bien peu. On était aux 30 volts, on devrait arriver aux 40 volts sans cette histoire de résonance en cours fixe qui devrait faire un truc. Mais je pense que ça va juste merder à cause de ce que je vous explique. Sinon, on devrait être deux. Voilà. Donc, t'as Désolé. Donc ça tente à dire que je vais vraiment me battre pour avoir l'inductance voulue et que c'est pas dépendant de ce facteur Q, c'est Q sur la raison. Après bien sûr, ce facteur Q dépend. Je pense que si tu as un facteur Q qui est à 0,01, ben oui, ça te modifie ta tension, effectivement. Hein? Mais là, c'est plus sur tes pertes du truc, c'est pas le gain. On y est, enfin pour moi, j'ai l'impression que c'est pas... puisqu'il y a ces arrêts distributifs, tu connais. On va voir. Donc, maintenant, ça met sur le cul, parce que 5 volts, il en a pris 4 ans. 4... J'ai peur d'atteindre la fréquence de résonance. T'es con. Je joue avec ça depuis le début, mais tu t'appelles. Moi, j'ai peur. Des peurs, alors qu'en plus, c'est que je suis à la limite du truc qui devrait pas marcher. Vous dire que si j'aurais la tension, comme je suis prêt. Je pense que j'aurais même de la peine à tester ça. Je vous jure, je t'aurais peur. Ça va vite, hein, je vous l'explique. Rien qu'en 300 R, t'es pas le temps d'intervenir. Bon, là, il y a la TVS, y a le machin, puis je peux vite venir mettre en cours, puis j'ai le grippin, le grill. Mais, là, je vous dis, je panique tout seul, alors que ça ne devrait pas aller à cause de ce que je vous explique. Mais ça tente à dire que le raisonnement sur le fond est bon, il n'y a plus qu'encore cette histoire à régler, et après on est dedans. Et après on peut voir si ça marche ou pas. Ça tente à faire un peu peur, quoi. Ça vous fait déjà peur, ne croyez pas. Bon, je vais charger cet accu et on va essayer d'atteindre cette fréquence de résonance. Voilà, et on verra. Et là, j'ai aussi, comme j'ai expliqué, là, j'ai branché directement le bruchet, c'est peut-être un peu con. J'essaie de le débrancher après, mais c'est pas, je devrais peut-être agir un petit peu autrement. Après, c'est que je vous explique, c'est déjà une bataille pour sortir ça, et que l'assassinat nazi gueule, et puis on voit que ces connards, ça n'a rien fait, ils sont à la base. Ben voilà, moi je vous explique pourquoi je suis en train de crever depuis le début. Mais des gens qui sont incapables de faire un millième, si ce n'est un milliardième des choses que je fais, je vous explique, c'est tout. Le con de cet assassinat nazi et de ce qu'il en est. Tu débranché la clé, donc tu peux encore débrancher. Bon, de toute façon, il va pas aller au il a fait des trucs bizarres, mais je suis à 22 volts. Oui, il fait vraiment des sales bruits. Il n'aime pas. Il n'aime pas du tout.
Sur 10 volts en 250. Coordonnées, mais pas correctement. Ah, mais j'ai peur d'atteindre la fréquence du rythme. Là, le cycle, on est en 600 Hz, j'ai un facteur Q qui devrait encore être meilleur, on est 13 équerres, je devrais pouvoir l'atteindre. Et moi j'ai une plus grande tension par cycle, mais ça fera peut-être partie de l'équipe. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a qui me fout dans la merde, parce que je devrais pouvoir faire des calculs de couplage par. Après, c'est qu'il y a une variable que je connais pas vraiment et qui découle peut-être également des mêmes choses que ce qu'on a avec les bobines. C'est que potentiellement, le couplage explose en résonance. Là, ça tend à dire, à brailler mon couplage à la tension de généravité, si vous voulez, à la base, sans cette raison. Et moi, c'est basé là-dessus. Après, je sais pas, peut-être, si c'est lié à un meilleur coupable, qu'on le met déjà un truc qui m'a. Ça va pas me rassurer à tester quand j'arrive chercher la. Non, tu t'expliques, tu as le double de temps de comprendre. Ah oui, je comprends qu'il y a dans le truc, que ça va perdre dans le site, que ça le rend. Mais ça ne devrait pas du tout être en phase, ni quoi que ce soit. Ni... J'ai un peu peur, je vous d'avoue. Ça va pas péter, vous inquiétez pas, à cause des trucs que je vous dis. Panique pour vous. Je vous mettrai la tension, mais c'est possible pour l'atteindre 100 volts. Hein. Ça me mettrait sur le cul, et ça tente à dire, ben, la seule merde qui reste, c'est cette histoire de valeur intuitive, et l'IA, elle a dit n'importe quoi. Je n'allais pas y faire compte. Mais sur le fond, on est pas mal. Hein. Moi, je vous ai écrit que ça devient gentiment bon. Et si je vous explique, mais déjà, sur ça, c'est déjà un miracle. Moi, je vous explique que c'est. Et moi, je vois entre le travail que je pourrais faire et ce que je fais là, mais c'est aberrant d'avoir ce genre de nazis qui sont en liberté et qui sont en plus des procureurs, des juges et des gens comme ça. Hein. Putain de nazis, c'est pas les sorcières qu'il fallait brûler, je le répète encore. Hein. En rappelant la gravité potentiellement des crimes que commettaient ces gens et qui continuent maintenant. Bah, c'est la même chose, au même titre que ces trucs qu'on pique sur les nazis, ou si ça, c'est juste une histoire de période. Voilà.